Laisser la vie nous toucher. Et pour ça, il faut s'arrêter. C'est une des méthodes. Il m'arrive de m'arrêter. Je m'en souviens plus, mais ça a dû m'arriver. Mais je suis absolument aussi sûr qu'on peut très très bien toucher la vie à toute vitesse. À toute vitesse. Plaqué sur le réel. Comme un bolide. What's wrong with that? What I want my readers to perceive is that possibility of connecting with people. J'ai travaillé dans les communications pendant 25 ans, communication électronique, et après 25 ans, je n'avais pas l'impression de communiquer. Et depuis que je suis ici, je communique beaucoup plus, d'abord avec la nature, avec mes amis, et c'est beaucoup plus réel, c'est authentique, c'est là, c'est présent. Je vis au Belize depuis 15 ans de façon permanente. Je suis, à toute fin pratique, un exilé volontaire. Ok, this one we know for sure. Definitely, definitely. He's in good company. Who are the other guys? Certainement, c'est quelqu'un qui pensait sur le monde. Première chose qu'on peut dire. Il pensait sur le monde comme les grands penseurs pensent sur le monde, d'une façon extrêmement originale. Il avait accès à une pensée pas du tout linéaire, pas du tout inductive ou déductive. Il était toujours en train de découvrir comme s'il touchait les formes de la connaissance avec les mains. On a l'impression d'un type qui pensait avec, non pas tellement sa tête, mais avec tous ses sens. C'est ça. Et alors, comme il était quand même aussi conscient des problèmes de son temps, il appliquait cette perception du monde. Je crois que c'est vraiment ça qu'on peut dire. C'est pas quelqu'un qui déduisait les choses, il les percevait directement comme un artiste. Seulement, je pense que voilà la meilleure façon de dire. C'était un artiste dont le matériau de base était la pensée. Il a prévu tout ce qui se passe aujourd'hui. Bien avant que les gens puissent voir ce qui leur arrivait, il était là en train de dire ce qui arrivait. Il a prévu l'Internet, il a prévu la réalité virtuelle, il a prévu
l'extraordinaire rôle que jouerait l'électricité dans la réunification du monde, une espèce d'implosion, n'est-ce pas, la réduction de la taille de la planète et l'implosion du monde sur lui-même. C'est évidemment le McLuhan qui a été le meilleur analyste de cette situation-là. C'était évident qu'une fois qu'on avait accès par la télévision à n'importe quel endroit en temps réel, dans le direct télévisuel, on faisait du monde un seul espace continu à lui-même. Et pour bon qu'il appelle ça village, moi je veux bien. C'était pas le côté village qui m'intéressait, c'était le côté global. Ici, le temps, on le touche, on le sent. Le temps, c'est le vent qui caresse le visage. C'est les oiseaux qui chantent le temps. C'est les vagues qui nous séduisent. Ici, on arrête le temps parce qu'on flotte dans le temps au Belize. Le temps, ici, c'est un charmeur sensuel. J'écris beaucoup à mes amis, j'écris à ma famille. J'ai des amis un peu partout à travers le monde. Je suis bien branché, je suis très bien connecté. J'ai un réseau d'amis qui est là, présent. C'est plus que ça même, c'est aussi une espèce de filet de sécurité dans les mauvais moments. Je ne me sens pas seul du tout ici. Corozal, pour être franc, c'est un peu mon village global. J'y vais toutes les semaines, non seulement pour m'approvisionner, mais aussi pour me ressourcer. Que ce soit à l'épicerie, à la quincaillerie, au marché, on nous reconnaît ici, on nous appelle par notre prénom. Corozal, pour moi, c'est aussi le bureau de poste. Parce que dans ma boîte postale, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de sollicitation, il n'y a pas de réclame publicitaire. Ma boîte postale à moi, c'est la boîte de l'amitié. J'ai quitté le bruit et le chaos. Dans mon jardin, je suis dans la vie. Ça, c'est la question à 100 francs. J'ai appris à observer intensément et passionnément le présent. J'ai appris à vivre dans ce présent. J'ai appris à explorer le cerveau. J'ai appris le rôle du corps et de ses extensions et de ses expressions, si tu veux, dans l'environnement à la fois social, politique, culturel, technologique et économique. J'ai appris un regard sur le monde. Toutes ces choses-là. Le programme McLuhan, son but, ça a d'abord été de continuer ce travail, continuer ce regard, continuer cette vision, continuer cette tradition de l'école de Toronto des communications. Et là, on y est arrivé à fond. Le programme McLuhan actuel ouvre ses visions et ses dimensions sur le monde entier. Et ce qui est le plus intéressant de ce qui se passe maintenant, c'est cette création du McLuhan Programme International, dans lequel nous avons des points de rencontre, de travail, de collaboration et de cohabitation globale. Véritablement global, avec le Japon, la Chine, le Mexique, l'Argentine, la France, la Hollande, et que sais-je, le Portugal. D'abord, tu as Marshall McLuhan, et on peut aller directement à lui. Oh oui, about Marshall McLuhan, vas-y. Until writing was invented, man lived in acoustic space, boundless, directionless, horizonless, in the dark of the mind, in the world of emotion.
by primordial intuition, by terror. C'est bon ça. Oui, je l'aime. Moi j'aime bien ça parce que les gens dont, qui vont sur le web, c'est là-dessus qu'ils tombent. Oui. Et ils entendent la voix du maître, c'est très bien. J'aimerais savoir quand on va donner à tous ces ordinateurs, à toute cette batterie d'électronique, j'aimerais savoir quand est-ce qu'on va lui donner un mandat humanitaire. Je ne le vois pas encore en ce moment. So, that's the first time I see Norwegian on the screen in the McLuhan program. Marshall certainly predicted the whole caboodle, down to the last detail. The one thing being that I'm not sure that we are going to be wiped out as he claims, as individuals should be wiped out. The thing that I think is interesting in that space is because he's also talking about this numbness that all the technologies will bring upon us. Yes. Nous sommes dans une situation extrêmement primitive dans laquelle nous continuons à voir l'information d'une manière linéaire alors qu'elle commence à agir d'une façon non linéaire. Ça, c'est très important. Mais les lois du sens non linéaire n'ont été vraiment comprises que par McLuhan, à mon avis, et par les grands sages, par les mystiques peut-être. Là, oui, ces gens-là ont compris l'information vers laquelle on va. Je crois qu'il faut quand même contrôler cette technologie. Il faut lui donner un mandat humanitaire très rapidement, très vite. Mais l'homme n'est pas une machine. L'homme aura toujours besoin de contact. On peut envoyer email à un bon ami à travers le monde, il va te recevoir dans 5 secondes. Bravo. Il y a des échanges qu'on ne pourra jamais enlever, qu'on ne pourra jamais faire disparaître. L'homme a besoin d'échanges, de sensibilité, de sensualité. Parfois, on a besoin d'éteindre tout ça, d'éteindre toute cette bouillabaisse électronique. On a besoin d'éteindre tout ça et d'être humain. C'est tellement important de redevenir humain. Guten Tag, Felix. Hallo, Derek. Wie geht's? Gut, gut. Ich arbeite gerade an einem Artikel über die Zukunft des Geldes. Ah, Artikel, sieh. Was ist das? Pockets bulging, try e-cash. Have you read that? Yeah, I've seen that, yeah. What's the news on this? What's happening? What's the development? Well, the news is that probably pretty soon you won't have your pockets crammed with coins. You're going to have 1, 2, 3 cards in it, and they will have all the cash you need on it. What's new about that? That's all I've got. I mean, tell us the good... Ce qui est en train de se passer, c'est effectivement la virtualisation d'énormément de choses humaines. Moi, je dis que je ne suis pas virtuel. Mais par contre, énormément de choses que je fais entrent dans la virtualisation. Depuis que la pensée ne se fait plus seulement dans la tête, mais elle se fait avec un ordinateur devant la tête, il y a une virtualisation en voie. Tout ça, c'est virtuel chez moi. Mais ce n'est pas moi qui suis virtuel. And so how do you think it's going to change the economy generally? Well, e-cash is like email. In a sense, email gave everyone the possibility to talk globally, and e-cash is going to give everyone the possibility to buy globally. So money was always information, and information is so easily transferable that it's natural for money to be global. So that's the virtual coach house. That's right, Derek. I'm in the midst of stage one of the Virtual Coach House project. So tell me about it. So I've captured this building and in this little box electronically. Mm. And what we're going to do is... Si McLuhan revenait, j'ai rêvé ça. J'ai fait un long rêve pendant lequel McLuhan revenait
Il était mort que pour un moment. J'ai un ami, tu sais, qui est à Paris. Il me téléphone de temps en temps quand j'arrive. Quand je vais, moi, je l'appelle. Et la première chose qu'il me dit, c'est... Il est roumain. Alors, McLuhan, toujours mort. Tu sais, c'est une très bonne parole. Eh bien, j'ai rêvé qu'il revenait. J'ai rêvé qu'il était revenu. S'il revenait maintenant, bon, il ne serait pas très... Non, il n'y aurait pas un nervous breakdown. Jamais. Il n'aurait pas du tout un nervous breakdown. Il prendrait tout ça avec un immense humour, trouverait des tas de choses drôles à dire sur la question, et en même temps condamnerait ça joyeusement. Ça, parce qu'effectivement, quand tu lui demandais son avis, il était toujours très radicalement contre. Mais il était contre la télé. Il était contre l'électricité. Il était contre l'automation. Il était contre tous ces trucs-là. Il était contre les bagnoles. Il était contre. Bon, c'est bien, il était contre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le respecte maintenant, parce que pendant très longtemps, on l'a voyé balancer. Mais maintenant, on trouve que c'est bien parce qu'on peut trouver du critique, du négatif chez McLuhan. Et on me le pose toujours, on me le balance en pleine figure, en me disant que moi, je suis un grand positif et que par conséquent, je suis nul. Et que McLuhan, au moins, lui, c'est méritoire parce qu'il a au moins eu la vision critique. An actual McLuhan avatar into our code shows. I would, yeah, it's very kitsch and camp and all that. But maybe there'll be a new style for that. Who knows? Like. No. Non, je n'ai pas besoin d'extension informatique. Et ce que je déplore dans tout ça, c'est que. On nous laisse croire depuis presque une génération que l'électronique, les ordinateurs, e-mail et tout ça, c'est devenu indispensable. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. On laisse croire aux gens que s'ils n'ont pas ça, que s'ils ne passent pas à travers ça, l'avenir n'est pas là. L'avenir, c'est l'électronique, l'avenir, c'est ci, l'avenir, c'est ça. L'électronique, c'est la réponse à tout. Et c'est là où je trouve que c'est peut-être un peu dangereux. Derek, 我要用这个中文软件翻译 McLuhan program 的 web page. In Chinese? Yes. The relationship between China and the internet is a very interesting one. Number one, they were the first to make me understand what the intranet really means, because they... je peux pas abandonner la question fondamentale. Comment les moyens de communication modifient-ils profondément notre être qu'ils nous créent des nouvelles formes psychologiques? La psychologie du satellite, c'est pour moi l'essai de découvrir la nouvelle forme psychologique dans laquelle nous précipite l'Internet, la réalité virtuelle, le téléphone, les gouvernements qui investissent ou n'investissent pas dans les télécoms, virtual reality online, virtual insanity, tout ça, tout ce grand bazar aboutit à une psychologie du satellite. Mais évidemment... C'est pas encore très formulé tout ça. Non. À ma vision, à moi, je dis, c'est véritablement lié maintenant à cette perception globale du monde et en même temps individuelle. Je veux réconcilier le moi et le monde. Le monde et le monde, je suis, mais nous sommes ensemble d'une façon qui est mutuellement enrichissante. Some friends and colleagues in Beijing and in Harbin, and we cooperate with one another to push forward the international program in Harbin. Then the transformation of the Chinese world would be very rapid, 20 years. They would flip out of their culture, wipe off their whole ancient culture in 20 years, and become incredibly aggressive and specialized and goal-oriented, because the specialist man always has a goal. Here. So I think the work will be continued in China, just like a snowball rolling and rolling, become bigger and bigger. Very appropriate image for both Mongolia and Canada. Cher Derek, à toi le grand architecte de l'espace. J'adresse une lettre intemporelle. Comment peux-tu arriver avec un horaire pareil à te détendre? T'arrive-t-il de prendre le temps? J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ta dernière lettre. Le McLuhan programme me paraît un défi inspirant. Quel est ton rôle? Qu'apprenez-vous ensemble? Choc d'idées et du futur? Comment le voyez-vous? Mon pays d'adoption dans On sa cite réalité. Beaucoup Marchand McLuhan, c'est un homme de citation. Laquelle retient ton attention? Laquelle est ta préférée?
Très instinctivement, ça a toujours été la même. C'est à l'ère électronique, nous portons l'humanité tout entière comme l'extension de notre peau. Mais c'est pas mal quand même, il fallait le trouver. C'est énorme. Il signale de cette façon-là l'interconnexion de tout le monde, ne serait-ce que par l'électricité et par les satellites. Et la peau est ce qui nous met en contact avec nous-mêmes partout. Le sentiment de nous sommes tous aussi interdépendants que les cellules du corps. Et avec la même harmonie, parce que si tu avais constamment des inflammations, ben, tu serais dans l'agonie permanente. Et pour l'instant, la planète est couverte de pustules, et d'inflammations, et de brûlures, et de trucs. Et donc, oui, il y a un problème de peau. On a de furieuses démangeaisons sociales. Et peut-être que le jour où on aura bien compris que tout ça se tient, on commencera à savoir rapidement calmer les inflammations. Special delivery from Canada. Oh. When are you getting your own phone? Robert, you're a very nice and electronic bum, but we're not going to start on that today. Thank you very much. Okay. Say hello to Maggie. Et peut-être que le jour où on aura bien compris que tout ça se tient, on commencera à savoir rapidement calmer les inflammations. La différence entre le virtuel et le réel ne porte pas sur le réel, elle porte sur la différence entre le virtuel et l'actuel. Le virtuel, c'est possible, l'actuel, c'est fait. Ça, c'est la véritable correspondance virtuelle-réelle. Mais le fait est que l'intégration de nos modèles culturels à l'intérieur de notre vision du réel fait que tout ça est toujours plus ou moins fictionnel. No, I don't want to get in the city. Time's up. That's not bad. Nos fictions changent. Et nos fictions changent d'une façon qu'ils soient durables. C'est fiable. C'est fiable. On voit le monde à travers le filtre alphabétique pendant 400-500 ans, et puis on le voit à travers le filtre télévisuel pendant 20 ans, et puis on le voit à travers le filtre des réseaux pendant je ne sais pas combien de temps. Hey! Hi there! Mais c'est comme ça que ça se passe. Et chaque fois, on voit plus. Mais j'offre du visible. J'offre une mémoire qu'il n'a pas eue à mon communicateur sur réseau. J'offre une mémoire qu'il s'approprie, mais qu'il n'a pas dû, lui ou elle, constituer. C'est extraordinaire, cette affaire-là. On offre bien plus que la mémoire classique. La mémoire qui était la mémoire individuelle. Une mémoire globale de ce style, avec des entrées et des sorties partout, c'est phénoménal. On n'a jamais eu ça dans l'histoire du monde. Here they are in Mount Fuji. It smoldered a bit a while back, I think, but isn't that marvelous? Wow. It's a beautiful shot. What we should try and find is a do you know any weather station? What is very little understood about the electronic age is that it angelizes man. It disembodies him. It turns him into software. Le Belize, pour moi, pour l'instant, surtout depuis les dernières années,
depuis que je me suis plongé dans l'Empire Maya, le Béli, c'est mon pays, c'est un retour aux sources. L'Empire Maya, c'est assez extraordinaire pour moi parce que je me reconnais dans cette civilisation absolument mystérieuse, remplie de contrastes, très riche, dont on connaît quand même encore très très peu de choses. Ils ont inventé le chiffre zéro, ils n'ont pas inventé la roue, ça prouve le contraste chez les Mayas. Ils étaient partis, ils étaient dans les chiffres. Ils prédisaient les éclipses du soleil et de la lune à l'époque, avec une marge d'erreur de 13-14 secondes. C'était les ordinateurs de l'époque, les Mayas. Vamos, vamos. Pour les Mayas, le ciel était le langage des dieux. C'était des gens qui étaient très, très spirituels. Pour les Mayas, tout était sacré. Une rivière était sacrée, un arbre était sacré, une montagne, un jaguar. Les Mayas respectaient tout. Et ils avaient une spiritualité qui était tellement très forte, très proche de la nature, vraiment réelle. Et c'est ce qui me touche chez les Mayas. Hi. Can I? Is Steven around? Yes, he is. If you want to follow me, thanks. He's right here. A connective pursuit right now around the world that is about democratizing media and using it as a force of revolution and television for us. But what's interesting is, as I've traveled, talking about the Global Village, for me, all I can see in the Global Village is divisions amongst people that are perpetrated by borders, be they land borders or in space and time. How do you feel about, and how does Derek de Kerckhove analyze, if in any way, the coming together of the world and how we reconcile ourselves with these divisions that seem to be almost inescapably large? Well, bizarrely enough, very much the way you are interpreting it. It's very interesting. I see it happening from the underground rather than from the grassroots. Ma véritable inquiétude, c'est pas pour moi. Non, j'ai une sérieuse inquiétude à l'égard de la... c'est tellement prétentieux, mais... Très sincèrement, à l'égard des pays du tiers-monde, pour commencer, ça m'inquiète parce que je ne suis pas absolument sûr que les technologies nouvelles vont nous aider. Il me semble que c'est une porte de sortie, peut-être, mais enfin, elle n'est pas prouvée. Think that the media cannot trigger or instigate this connective revolution. It's going to take events in three dimensions. And so in a way, I'm not an apocalypse nut, but I do have a sense that, you know, there is something coming that in a sense... Mais la révolution n'est pas toujours nécessairement une mauvaise chose. Il faut qu'il y ait une adaptation sociale. Ce qui est grave avec la révolution classique, c'est l'exploitation des gens. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la révolution n'est plus une affaire de muscles brutal, mais plutôt un peu comme en anglais on dit morphing. C'est-à-dire la transformation, la métamorphose d'une forme en une autre. C'est un peu trop optimiste peut-être. First of all, I've been warned by my old mentor Marshall that the electronic tidal wave would wipe us out as private identities without a chance of survival, which I don't agree with one bit. Part of my positive thinking is to refuse that. Yeah, yeah. The other thing is that I find that if we are a reflection of our media to the point that I think we really are, reflection of the alphabet, reflection of TV, of radio and whatnot, then what kind of reflection would we be from the media that exists today? Our private identity and our public identity together. We are myself and the rest at once. Il y a des technologies meurtrières, absolument monstrueuses. Les mines, c'est monstrueux. Les instruments de guerre, les gens qui vivent des instruments de guerre me dégoûtent profondément. Fairly abhorrent to me. I mean, I don't agree with that. What I agree with is the combination of the intense local and intense global. I am everybody. Mais je pense que les technologies qui sont reçues trop rapidement ou dans une culture qui est trop contraire, comme par exemple l'écriture dans une culture orale ou bien la radio dans une culture écrite,
peuvent créer des dégâts monstrueux. Et donc, il y a des inquiétudes à avoir de ce côté-là, ça c'est sûr. Beaucoup d'inquiétudes. On s'est toujours fourvoyé dans le passé. On peut toujours se tromper. Moi, je pense que maintenant, parce qu'on fait dans le software, ça va faire peut-être un peu moins mal. Television is the ultimate democratizing technology because it says that we as a people, looking at it from your perspective, as a planet, we share common attributes. Whether it is that we all need, that's what Zapatista says. Zapatista says it doesn't matter, there doesn't have to be a singular purpose for revolution. A revolution must occur because what's here now isn't working. By the way, at this moment, we are on the air, and we do not have any physical body. When you're on the telephone or on radio or on TV, you don't have a physical body. You're just an image on the air. When you don't have a physical body, you're a discarnate being. You have a very different relation to the world around you. And this, I think, has been one of the big effects of the electric age. It has deprived people, really, of their private identity. Je pense que quand on se met à l'écoute de l'univers, à l'écoute de ce qui nous entoure, quand on s'arrête et qu'on écoute l'univers, l'univers a tellement de choses à nous dire. Et tout à coup, à travers cette espèce de dialogue, on se comprend mieux, on s'accepte mieux et on sent cette espèce de connexion universelle. Mais moi, je n'ai pas à passer à travers la technologie pour ça. Alors je pense que c'est ce qui fait la différence entre toi et moi. Aller plus loin à travers la technologie, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'a jamais intéressé. Mais j'admire les gens comme toi qui le font, qui poussent plus loin la chose. Mais je dois te dire quand même que la technologie, pour moi, c'est un prétexte. C'est un beau prétexte. Non, mais comme je dis, je n'ai pas choisi ça. C'est choisi. Ah oui, absolument. Et en plus, je dirais, j'ai une histoire d'amour avec la technologie, mais c'est à sens unique. Parce que quand elle peut me laisser tomber, elle le fait toujours. Chaque fois que je fais des présentations publiques, par exemple, il y a toujours une machine qui se casse. Mm-hmm. Bon, alors j'ai pris l'habitude, maintenant je me dis, ça va, c'est bon. Prochaine fois, je sais que ça va se casser, donc je suis prêt. Mm-hmm. Non, je n'ai pas choisi la technologie, franchement. Comment se fait-il que tu ne choisis pas ? Je ne choisis pas. Je suis très léger. Tu es un pantin de la vie. Tout à fait. C'est quoi cette histoire ? Ouais. Je suis un pantin de la vie, exactement, mais sans en souffrir. Somewhere, George, you talk about, and I don't know if you invented this expression, but it's a very interesting one, about experiencing information rather than processing it. What do you mean by that? Well, I think we've been in business for 10 years and basically have looked at how do you apply visual technology to change the way people actually see and use information.
Les mots de McLuhan, c'est simple. Pour lui, il disait que ça éliminerait notre corps. Et là, il fait l'écho d'une quantité de critiques de ce monde qui disent tout ça, ça nous décorporealise, comme on disait que la violence à la télévision nous désensibilise. Enfin bref, on dit là-dessus un peu n'importe quoi sans savoir si vraiment ça va se passer comme ça. Moi, je suis pas du tout sûr que ça nous décorporealise. Dans le sens de McLuhan, la téléprésence, la virtualisation, même s'il n'utilisait pas ces mots-là, tout ce qui penchait vers la virtualisation, c'était de l'angélisme. Pour lui, l'angélisme était une mauvaise nouvelle. Ah ben lui, il croyait que ça appartenait au diable. Il croyait que toute technologie était une invention du démon pour perdre une fois de plus les hommes dans les méandres de plus en plus compliqués, les éloignant de plus en plus. Le diable, c'est celui qui sépare. Diabolus, c'est celui qui dia, mais se met à travers, qui jette à part. Mais moi, je dis au contraire, le virtuel nous apprend à raffiner infiniment sur le sens du toucher, à comprendre réellement la tridimensionnalité du son, par exemple, ou la tridimensionnalité de l'espace, des aspects sensibles, nous offre des sens étendus. Eh bien, ça, c'est pas du tout une disparition du corps, c'est une extension, au contraire, des possibilités du corps. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça aussi, plutôt que toujours dire d'un seul cœur que nous avons tout perdu. D'autant plus que sur le plan même, je dirais, la parole du corps, c'est le toucher, c'est le tactile. Et bien même sur le plan tactile, les simulations qu'on est en train de faire maintenant dans le virtuel, c'est vraiment très très intéressant, c'est vraiment saisissant même. Et c'est très fin aussi. I think, you know, isn't the virtual today that is now developed an augmentation of reality, as opposed to simply a substitution for it or yet another media? Isn't there something going on right now that allowing you to have the same visual experience of a building in Toronto and in Paris simultaneously or in the Netherlands? Isn't that kind of something entirely different from our previous media environment? I'm going to take this a totally different direction okay. for a second. That okay. is, I take my dog out for a walk every morning. She's yeah. a Brittany, a 9-year-old Brittany Spaniel. She's really a puppy. That's what she is, but she's a hunting dog. And we walk around the block, and it's a nice block, and there's lots of trees, but there are lots of houses. I'm absolutely convinced she doesn't see houses. Okay. Okay? I'm convinced that as far as she's concerned, she's out in the fields. And all she's interested in is That's the cool. scent. Yeah, sure. Okay? Okay. Now, I don't know whether to call her experience virtual, but I'm tempted not to because it's composed of the atoms and whatever it was you were talking about earlier. Okay. Okay. On the other hand, it doesn't correspond to my version of doing the walk around the block. No, you don't have to mark the spots. So to the extent, you know, is that virtual? I don't know. No, hold it. C'est très difficile pour moi de ne pas me faire un peu l'avocat du diable. Il y a quand même des grandes vérités, j'ai presque envie de dire bibliques, humanitaires. Il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des pauvres. On en parlera. Je me demande si, avec toute cette communication, cette technologie, il y aura des gens branchés, connectés, puis il y en aura qui ne le seront jamais. Et qu'est-ce qui va leur arriver à ceux-là? D'accord, je suis bien d'accord. C'est une histoire ancienne, cette affaire-là. En la société maya existait la estratificación de la sociedad. Muy arriba estaban los gobernantes, los reyes, los sacerdotes de alto rango. Debajo de ellos estaban los escribanos, los artesanos, los artistas, cuyo trabajo era para hacer estas obras de arte, para esculpir piedra, para grabar historia en la piedra. Luego había la sociedad donde estaban los obreros, cuyo trabajo era para cortar la piedra, para que se pudieran hacer esos grandes edificios en honor de los gobernantes. Cuando se va desarrollando la sociedad, entonces hay más fuerzas productivas, se produce más. Por lo general es la élite que se beneficia del trabajo de los demás. Entonces, esto crea las semillas de un resentimiento, se pierden las comunicaciones entre los que tienen y los que tienen muy poco, y conforme pasa el tiempo, eventualmente las revoluciones, la gente se organiza para tratar de cambiar el sistema.
Pour moi, vivre, ce n'est pas s'étourdir. J'ai toujours rêvé d'une vie calme, j'ai toujours rêvé d'une vie paisible, d'un coin tranquille, où je pourrais rêver, où je pourrais méditer, où je pourrais être Georges Alexandre. Et enfin, j'ai trouvé ce coin-là. Et c'est évident que je ne suis pas prêt de le laisser aller. Oui, eh ben, moi, c'est pareil, je ne suis pas prêt de laisser aller la vie trépidante, même si, en fait, elle m'énerve pas mal. Moi, je dois courir. Je dois courir, sinon je m'étiole. Tu dois courir pour communiquer. Je communique davantage sans courir. Je vis toute ma vie en montage. Avec des ellipses et des trucs. En fait, je suis à la limite de la, comment dirais-je, de la schizophrénie, parce que j'ai besoin d'être constamment stimulé. Oui. Oui. C'est ça, cette espèce d'auto-stimulation qui caractérise le schizophrène. Je crois pas que je suis schizophrène, puisque je te dis, j'arrive à mélanger ces événements sans difficulté. Mais par contre, j'ai besoin d'être en prise. C'est vraiment pas plus difficile que ça. J'ai besoin d'être en prise sur cette réalité. Et je n'aime pas les points morts. Ben ici, oui. Ici, oui. Ici, je m'arrête. Qu'est-ce que je vis ici? Une espèce de... une intense présence. De cette famille que j'adore. Je me sens éternellement reconnaissant. S'il y a quelque chose qui est un ancrage, ce n'est pas seulement que cet endroit est très beau, mais il contient aussi énormément de temps. Les relations avec les êtres que j'aime contiennent du temps. J'aime ce temps, j'aime cette répétition, j'aime ce temps qui remonte. J'aime revoir des gens que je n'ai plus vus depuis très très longtemps parce qu'ils contiennent en eux le temps. J'aime vraiment ça, cette question de temps. Marnie, elle est certainement la personne qui compte le plus pour moi dans le monde. Absolument. Et depuis très longtemps. Marnie, c'est le temps. C'est le temps qu'elle exprime d'ailleurs dans ce jardin. Elle a la même qualité du renouveau perpétuel de la vie quotidienne. Je dévore la vie, je dévore le temps, comme le temps me dévore. Mais je lui rends bien. Et c'est merveilleux de pouvoir ressentir ma femme comme la vie et comme le monde. Finalement, ce sont les gens qui comptent. Ah ! By studying the pattern of the effects of this huge vortex of energy that in which we're involved, it may be possible to program a strategy of evasion and survival. Georges Alexandre Gagnon. Que me veut ce type?
Que fait-il, cet ermite de la fin du XXe siècle? L'ermite de l'ère électronique. Pourquoi m'écrit-il ces lettres? Lettre après lettre. Moi, j'ai les deux pieds sur terre et je suis réel. Dès qu'Erkoff est dans le ciel, il est virtuel, il s'amuse comme un fou, c'est un divertisseur. Ben non, je me sens aussi réel que Georges Alexandre. Alors absolument et sans discussion. Je suis... C'est pas parce que je multiplie mes activités et que je me déplace tout le temps. D'abord que je suis virtuel, je suis absolument réel. Mais je veux bien admettre, par gentillesse, par déférence, par politesse, que la rapidité avec laquelle je traverse les choses ne m'en donne pas toute la profondeur. Je n'ai jamais douté de moi-même d'être dans la vie et dans le monde. Salut ? Absolument pas. Il m'arrive des moments, j'ai eu des temps de flou, mais il y a longtemps j'en ai plus. Justement, lorsque les choses sont... justement, lorsqu'elles s'entrechoquent d'une façon, d'une manière chaotique, c'est un petit peu comme des... comme la loi, la physique des liquides, la physique des fluides. Il paraît que vous y allez souvent ? Gare de l'Amérique centrale. Gare de l'Amérique centrale qui nous amène sur... Voilà. Ah. Si on clique sur l'Amérique centrale, on a la carte de l'Amérique centrale avec le Mexique. Et Belize, c'est juste en dessous du... Tout fonctionne très très bien, puis subitement, tu as un flow qui ne marche pas, et puis paf, il y a de véritables turbulences. Alors, je connais les turbulences. Mais ça, dans la vitesse, c'est normal. À la Manaï, on va aller à la Manaï. Paraît qu'on va à la Manaï. À la Manaï, alors ça, c'est la Manaï. Ça, c'est à la Manaï, c'est ça. Ah bon, mais c'est donc assez imposant, alors. Yeah. Alors, c'est très très grand, vous voyez, c'est 33 mètres de hauteur. Ah, oui. À partir de la plaza. C'est la plus grande, la plus grande de la région. Yeah. Ça, c'est un dessin de la Manaï. Et la Manaï, ça voulait dire le crocodile submergé. Ah ben justement, tiens, les crocodiles, ça m'intéresse beaucoup. Ok. Alors, on peut certainement aller voir des crocodiles, mais il faudra en trouver. Là, on retourne. Nous sommes tous à la mesure du monde. Être à la mesure du monde, c'est véritablement s'intégrer sans perdre son identité à l'intérieur de cet immense, partager la responsabilité aussi de ce monde. Le satellite est le médium suffisamment large pour donner à la fois le point précis de ce qu'il va chercher sur la Terre et la surface totale du champ que le satellite couvre. C'est donc un médium à la mesure du monde. Il faut repenser le monde. Et pour repenser le monde, il faut qu'on commence quelque part. Alors, plus de fausse modestie ni de fausse honte. Ça m'intéresse, moi. Je propose ce que j'ai à proposer. Les gens prennent s'ils veulent. Je ne veux pas être non plus imposé une vision du monde. Mais penser le monde, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et bien, McLuhan m'a mis sur cette voie-là. Ça, il n'y a aucun doute. Georges-Alexandre. Derek de Kirchhoff. Bonjour. Qu'est-ce que cette technologie d'aujourd'hui va donner à ses enfants de demain?
Le temps n'a pas d'importance. Et, ici. Et en fait, et voyage, c'est magnifique. Magnifique. C'est que ça m'oblige. J'ai commencé, j'ai l'impression. Essayer d'être au maximum mais clair, conséquent, logique, suivi. Ce que McLuhan est toujours en train de faire ça. Je veux dire ça, c'est, on n'arrête pas. Ça. Le monde est toujours en train de se reconstruire à travers nous. Enfin, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça parce que le monde peut avoir le dernier mot. Pour l'instant, la meilleure devise que j'ai entendue, c'est encore un autre. Ça veut dire encore un autre millénaire. Je trouve ça très, très enthousiaste et très, c'est bien. Je suis ravi de cette idée-là. Encore un. Let's have another one. Another millennium.